فإنه قال ولقاء الله لأهل الجنة أي رؤيتهم الله بلا جهة ولا تشبيه ولا كيف حق. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر أن الله سبحانه يشبه القمر، حاش وكلا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر. فكما أن مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا يشك أن الذي رآه هو القمر، كذلك المؤمنين عندما يرون الله تعالى يرونه رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، فلا يشكون هل الذي رأوه هو الله أو غيره، لأنهم يرون من ليس كمثله شيء. هذا معنى الحديث. والله تعالى نسأل أن يوفقنا إلى صالح الأعمال، وأن يختم لنا بخير، ويدخلنا الفردوس الأعلى برحمته، ويكرمنا برؤية ذاته الكريم لننعم بذلك مع المتنعمين. وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله سبحانه وتعالى dit dans son livre honoré ce qui signifie « Dieu ordonne de vrai pour parvenir au paradis. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Ceux qui ont œuvré en bien dans la vie d'ici-bas auront dans l'au-delà le paradis et un surplus. Ils ne seront pas atteints par la poussière lors du rassemblement et ne seront pas humiliés. Ceux-là sont les gens du paradis, ils y resteront éternellement. » Cela signifie que ceux qui ont œuvré en bien, en accomplissant les bonnes œuvres que Dieu leur a ordonné de faire et en s'abstenant des péchés qu'il leur a interdits, Allah Ta'ala leur promet une bonne rétribution qui est le paradis. Quant au supplément de bienfaits qui s'y rajoute, mentionné dans le verset par le surplus, ziyada, signifiant le surplus, comme on l'a dit, c'est une félicité supplémentaire qu'ils obtiendront lorsqu'ils seront au paradis. Il s'agit de la vision d'Allah Ta'ala sans qu'il ait aucune ressemblance avec ses créatures. Les croyants le verront non pas comme sont vues les créatures. Ils le verront sans comment, sans endroit, et ils le verront sans direction. Car Allah Ta'ala dit dans son livre honoré ce qui signifie « Rien n'est pareil à lui ». Cette vision que les croyants auront aura lieu après leur entrée au paradis. Elle est confirmée dans les textes religieux et il y a unanimité chez Ahlus Sunnah wal Jama'a à ce sujet. Par conséquent, il n'est pas permis de la nier. Elle est en effet indiquée par la parole de Dieu, ce qui signifie « Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants de bonheur, ils verront leur Seigneur. » Il y a aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Muslim dans son Sahih, qui signifie « Certes, vous verrez votre Seigneur au jour du jugement, tout comme vous voyez la lune, durant une nuit de pleine lune, vous ne vous bousculerez pas pour le voir. » Effectivement, la vision de Dieu n'aura pas lieu de face ni d'une quelconque direction. Simplement, Allah Ta'ala lèvera le voile des yeux des croyants, c'est-à-dire qu'il donnera aux croyants, dans leur vue, une capacité, de sorte qu'ils pourront voir Allah sans qu'il ne soit dans une direction, sans qu'il ne soit dans un endroit, tout comme cela a été indiqué par l'imam Abu Hanifa, que Dieu l'agrée. La vision de Dieu qu'auront les gens du paradis aura lieu sans direction, sans ressemblance, sans comment, et c'est une réalité. Attention,
La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui signifie « Certes, vous verrez votre Seigneur au jour du jugement, tout comme vous voyez la lune », ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala aurait une quelconque ressemblance avec la lune. Et loin de là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que comparer notre vision de Dieu à la vision de la lune, une nuit de pleine lune, du point de vue qu'elle ne comporte aucun doute. Il n'a pas assimilé Allah Ta'ala à la lune. En effet, celui qui observe la lune pendant une nuit de pleine lune avec un ciel dégagé, ne doute pas de ce qu'il voit, ne doute pas que ce qu'il voit est bien la lune. De même, lorsque les croyants verront Allah Ta'ala, ce sera une vision qui ne comportera pour eux aucune confusion. En d'autres termes, ils ne douteront pas si celui qu'ils verront est Allah ou autre chose, car ils verront celui qui n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous le tawfiq et l'opportunité de faire partie de ces gens-là qui verront la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن